J'ai pas eu du tout de réussite au putting. Je touche 17 greens en régulation et joue plus 2, donc bon, c'est un peu décevant. Mais je tape très bien la balle, je rate aucun fairway. Du coup, 17 greens, donc forcément, je tape très bien aujourd'hui. Donc forcément, je suis déçue de ma partie parce que j'ai pas eu du tout de réussite au putting. J'ai pas réussi à mettre un birdie à part sur un par 5 que je touche en sous-régule, mais bon, moi, je suis un peu déçue de ma journée forcément parce que hier j'étais quand même en tête. Je pense que j'ai pris quelques coups sur la tête. Surtout finir par 2 bogeys en plus, encore plus décevant. Donc forcément, je suis un peu déçue, mais je suis super contente quand même. C'est mon premier tournoi pro, arriver à jouer, à fournir un bon jeu comme j'ai réussi à le faire. Donc je suis quand même d'un côté satisfaite et d'un côté vachement déçue de ma journée. Plutôt bonne journée, contente. J'ai juste raté un petit putt au 17 pour le birdie. Mais bon, j'ai été chanceuse sur mon drive au 18, donc ça compense, je me plains pas. Dans l'ensemble, ça va. J'ai raté quelques coups, évidemment, mais plutôt pas mal. Putting un peu mieux aujourd'hui, même si j'ai pris une fois 3 putts. Mais dans l'ensemble, contente de mon jeu. D'avoir fait une journée sans bogey, et au-delà de ça, c'est comment j'ai tapé la balle au moins sur les 9 premiers trous, c'était vraiment très très bon. Après j'ai eu un petit coup de moins bien au retour que j'ai vraiment su bien gérer pour pas choper un bogey, donc ça c'était cool. Et voilà, en gros 5 birdies c'est bien, il y a toujours moyen de faire mieux forcément, mais très contente de comment ça s'est passé. Bon, c'est un parcours où on peut pas trop se relâcher. J'adore les 3 par 5. Je trouve que surtout le 9 et le 14, je trouve que ça donne une possibilité d'aller chercher quelque chose de plus que le birdie. Donc jusqu'à présent, je les ai pas très très bien utilisés. Et je pense que ça sera la clé demain pour essayer d'aller chercher Julia. Je sais pas si je vais jouer avec elle, mais en tout cas elle a 4 points d'avance. C'est quand même assez conséquent comme avance, mais j'avais 5 coups de retard. Il me manquait 9 trous en 2015, donc. Je n'ai pas peur pour 4 coups en fait.